Yo tout le monde, aujourd'hui Guy, on se trouve sur une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc aujourd'hui, comme vous avez vu au titre, comment installer des mods sur tout et n'importe quel jeu sans se faire du coup bannir. Donc tout d'abord, je ne suis pas garant de vos bans, ni rien. Si ça arrive, ça peut arriver, il y a zéro risque, c'est faux. Il y a toujours des risques dans n'importe quel jeu, ça dépend de l'anti-cheat que c'est. Donc voilà, donc venez pas là vous plaindre après si vous avez cheaté et vous avez fait banni, parce que c'est très mal. Donc moi pour ma part je le fais sur des jeux fermés, donc en solo, comme ça il n'y a aucun problème. Et comme ça bah du coup je dérange personne à part moi. Du coup vous allez vous rendre sur YouTube, sur internet justement. Vous allez aller rejoindre d'abord dans la description Wiimod. Donc vous avez un petit truc ici qui va s'appeler téléchargement pour lancer. Donc vous allez cliquer ici, ça va vous lancer le téléchargement. Ensuite, quand votre téléchargement va être lancé, vous allez l'ouvrir une première fois, ça va faire un chargement et ça va le fermer et ça va rouvrir ceci. Donc quand vous allez l'ouvrir, tout simplement, ça va vous marquer comme quoi il va falloir payer. Nous, on est des petits malins, on payera pas. Donc c'est pour tous les jeux, donc voilà, ça paye 4,58 par mois, donc c'est ultra cher pour avoir 100% des capacités, sauf que moi j'ai réussi à passer au-dessus de ces capacités. Donc on va lancer, on est sur Dark Souls, au moins comme ça je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, vous avez tout ça, et là tout simplement quand vous allez lancer, vous pourrez pas comment ça s'appelle, vous ne pourrez pas en fait activer les mods. Pourquoi? Parce qu'il va falloir payer. Et du coup moi j'ai trouvé une petite technique, je sais pas si ils ont fait exprès ou pas, mais en soi voilà. Donc là vous voyez c'est marqué qu'il faut payer la version pro. Donc nous on va juste appuyer sur ce qui est marqué ici. Donc voilà, vous voyez, là ça se désactive quand le jeu n'est pas compatible à 100%. Il y a plein de petits problèmes. Et du coup, bah c'est ça le truc en fait. C'est qu'il est vraiment pas compatible à 100%. Donc, maintenant, on va activer chaque truc. Donc voilà, vous voyez bien. Hein. Donc, hop, ça c'est pour les levels. Donc, en soi, ça sert un peu à rien. Donc, alors, F6. Hop, F6 activé. Flèche du haut, flèche de droite, voilà. Donc là, on a tout activé. Bref, du coup, on va aller sur. Du coup, on va aller dessus directement. Donc sur Dark Souls 3. Donc voilà. Donc ma partie, j'ai déjà fini le jeu. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma nouvelle partie. Ma première partie que j'ai faite en haut à 4h. Et elle de 13h47, c'est ma toute première partie. Que j'ai fini le jeu, la première fois que j'ai fini le jeu. Donc il y a vraiment quelques jours je l'ai fait sans mod ni rien, parce que du coup je voulais le faire à la régulière. Donc c'est pour ça que j'ai autant de temps, quand je regardais beaucoup de tutos comment faire pour battre certains boss, etc, etc. Du coup je l'ai fini, je me suis dit pourquoi pas le relancer en fait, relancer une partie, reprendre là où on était avec le niveau qu'on était, niveau 300 du coup, mais avec ça. Donc comme vous voyez, quand je bois des popos, bim, ça monte. Donc, les 20, ça je peux prendre, voilà, tout monte en fait. Voilà, même les trucs d'épée, donc vous voyez bien. Donc voilà, tout monte. Donc en soi, vous n'êtes pas invincible, parce que du coup le jeu n'est pas compatible 100%. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, tape-moi s'il te plaît. Vous voyez, je pars de la vie. Du coup, le problème, bah c'est ça quoi. D'accord, il est censé être mort. Normal. Du coup, vous voyez, je peux réactiver tout à chaque fois, on est limité. Du coup, c'est ultra cheaté. Regardez. Hop, ensuite je vais vous montrer un autre petit truc avant d'arrêter dessus. Dessus normalement vous avez des voilà, vous avez ça. Ça c'est toutes les armes que vous avez récupérées du jeu, du coup que vous avez fini. Du coup, comme vous pouvez pas les utiliser, le problème c'est ça, vous pouvez pas les utiliser. Et voilà, donc le truc tout simple, il va falloir quitter ça. Vous allez donc ici, et là vous allez pouvoir les utiliser. Donc vous faites leave, vous en verrez une. Et comme voilà, le cheat c'est enlevé. Donc on l'arrête. C'est pour ça que j'ai préféré le refaire avec ce que j'avais déjà en intro. Donc voilà, on recommence. Du coup, leave, oui. Et là vous voyez, on en a infini. Du coup, 99. Et vous pouvez revendre et ça vous fait des souls illimités. Comme dessus c'est marqué qu'on peut give des souls, sauf que ça ne marche pas. Du coup voilà, je le fais parce que c'est une session où je pense arrêter, car tout simplement bah. Voilà quoi, on va recommencer plus, ça serait plus difficile. Mais du coup voilà, et là vous voyez j'en ai vraiment en illimité. Là j'ai l'item que j'ai posé par terre, hein, comme vous avez vu. Comme on les pose par terre, on les vend pas, on les vire par terre. Du coup à chaque fois vous les récupérez, et du coup voilà. Donc ça, voilà, vous voyez bien
que le jeu, le cheat fonctionne, donc ça fonctionne vraiment sur tout ça comme jeu. Genre, c'était énorme, donc voilà, vous voyez bien. Et c'est compatible avec votre compte Steam Epic Game, donc du coup, ça va vous dire quel jeu vous avez. Donc moi, ça, j'ai pas beaucoup de jeux sur. Sur Steam, comme la plupart de mes jeux, j'ai des cracks via la dernière vidéo, la première vidéo que j'ai sortie depuis longtemps, que j'avais pas sorti la vidéo, donc comment avoir tous les jeux gratuits. Donc si tu veux voir, tu vas juste regarder, ce sera peut-être dans la description, je pense que ce sera dans la description, comme ça tu pourras aller voir la première vidéo, comment avoir tous les jeux gratuits, comme Valhalla, Cyberpunk, Dark Souls, bref, tous les jeux, voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker si t'as aimé et à commenter. Parce que commenter, c'est important. Et surtout me dire, comme prochain tuto, tu voudrais que je te montre quoi? Des trucs qui sont pas sortis en français, du coup, ou en France, mais du coup, mieux expliqué, ou des conneries comme ça, vous me dites. Allez, ciao tout le monde, c'était...